Hello les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager une de mes influences, Monsieur Stephen Stills. Vous savez, ces épisodes, pourquoi tel ou tel artiste m'a influencé, je vais en parler avec vous aujourd'hui. Stephen Stills, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez mal, il était souvent dans l'ombre de Monsieur Neil Young, dont on va parler dans cet épisode, et pourtant, c'est un artiste tout aussi légendaire pour moi, qui m'a énormément influencé, que ce soit au niveau du chant, au niveau de la guitare, son son de guitare est fabuleux, au niveau de la composition, on va en parler, c'est un compositeur hors pair qui a un style unique, on le reconnaît tout de suite, en deux accords, je sais que c'est lui qui a composé le morceau, ou que c'est lui qui joue également, voilà, une grosse identité dont on va parler dans cet épisode. Stephen Stills qui naît en 1945 à Dallas, dans la ville de Dallas, avec des parents qui voyagent beaucoup, il voyage notamment en Amérique du Sud, où il va découvrir un petit peu la musique latine. C'est assez intéressant parce qu'on va retrouver ses teintes latines dans pas mal de ses compos un petit peu après. Ensuite, il bouge à New York où il va rencontrer des musiciens sur place. Ils partent en tournée, notamment au Canada où Stephen Stills va rencontrer Monsieur Neil Young. Une étape décisive dans sa vie, la rencontre avec Neil Young, puisqu'il va beaucoup collaborer avec cet artiste légendaire. Je vous en parlais, il a même été un petit peu finalement dans l'ombre. Neil Young est devenu vraiment une icône américaine. Stephen Stills peut-être un peu moins, mais honnêtement, encore une fois, en termes de compos, en termes d'identité, c'est vraiment une légende. Le grand changement pour Stephen Stills, ça va être en 1966, quand il décide de descendre en Californie. Il va s'installer en Californie, notamment dans la zone de Laurel Canyon. Vous connaissez un petit peu cette histoire, sûrement. Il y a eu pas mal de reportages, pas mal de bouquins aussi, sur toute cette épopée Laurel Canyon à la fin des années 60 en Californie. Tout ce mouvement musical et culturel. Il fait partie vraiment de ce mouvement-là, Stephen Stills. Et il va rappeler Neil Young, rencontré un petit peu avant alors au Canada, pour former The Buffalo Springfield, un groupe mythique. Alors, Buffalo Springfield, je dis groupe mythique, mais en France, c'est pas un groupe qui a été vraiment beaucoup sur le devant de la scène, à part avec quelques titres, notamment le tube énorme qui a été For What It's Worth, une hymne, hein, quasiment, on peut l'appeler comme ça, ce morceau, parce que ça a vraiment bercé toute une génération. On l'a vu dans plein de films aussi qui représentent un petit peu ce mouvement culturel. C'est vraiment un morceau très très important à la fin des années 60. Et puis, en 1968, le groupe se sépare et chacun prend un peu sa direction. Quand je dis chacun, c'est Neil Young et Stephen Stills, mais aussi les autres musiciens du groupe. Dans les autres musiciens de Buffalo Springfield, on va juste en parler un petit peu, il y a Monsieur Richie Furay et Jim Messina qui vont former un autre groupe mythique aux États-Unis, Poco. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est juste une petite parenthèse, mais allez écouter, c'est un super groupe, Poco. Et Stephen Stills, donc en 1968, lui, va participer à l'enregistrement de Super Session avec Mike Bloomfield, Al Cooper. C'est un super disque, ça, très étrange à la première écoute, il y a plein de styles différents. La compo est faite par les trois artistes présents sur la pochette ici, donc il y a trois styles vraiment qui se mélangent, qui se mêlent, mais il y a des choses qui marchent très très bien. Et il y a aussi la guitare de Mike Bloomfield, on peut pas ne pas en parler quand même, qui est une des icônes du blues de cette époque. Donc voilà, un disque qui m'a beaucoup marqué, parce que ça j'écoutais vraiment tout gamin avec mon père, notamment pour le son, la production déjà, et la voix de Stills qui est très en avant et très reconnaissable. L'identité de l'artiste commence vraiment à se dessiner pour moi ici. Il y a un petit mix entre la musique du Buffalo dans certaines compos et ce qui va devenir après la musique de Stephen Stills, un petit peu plus dure, un petit peu plus profonde. Quand je dis un petit peu plus profonde, un petit peu plus profonde que la musique du milieu fin des années 60, qui est un petit peu légère, qui représente bien cette époque-là. Ici, voilà, il y a des choses qui vont se dessiner après, notamment dans son premier album, Stephen Stills. Cet album Stephen Stills, on y reviendra juste après, parce que entre 68 et 70, il se passe quelque chose quand même dans la carrière du chanteur, c'est qu'il va rejoindre le super groupe Crosby, Stills and Nash, et puis peu après Crosby, Stills, Nash and Young pour le deuxième album déjà vu, avec un point culminant pour le groupe, c'est Woodstock, un de leurs premiers concerts. C'est là que vraiment le monde entier les découvre. Un groupe qu'on ne présente plus, comment je pourrais vous en parler, c'est un des meilleurs groupes qui existait pour moi en termes de compo, en termes de vocaux. Les voix sont complètement folles encore aujourd'hui. Il y a eu Eagles, il y a eu voilà, Crosby, Stills and Nash, il y a eu des groupes à voix comme ça, mais voilà, pour moi, ça m'a vraiment influencé, donné envie de chanter ces groupes. On entend tout ce qu'on aime, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a du rock, il y a du folk, la guitare est présente, mais pas que. Il y a des super musiciens, je pense notamment à Dallas Taylor à la batterie sur les deux albums de Crosby, Stills and Nash, et peu après aussi avec Monsieur Stephen Stills sur scène
et sur ses albums. Un super musicien d'Alestellor avec un groove unique et un son qu'on reconnaît, en tout cas à force de l'écouter, je le reconnais maintenant assez facilement. Grosse identité pour ces musiciens. Et puis j'ai eu la chance de les voir en concert, je vais vous partager ça rapidement, mais en 2015 je crois, à Lyon, c'était assez extraordinaire. La veille au soir, il y avait à Vienne, donc pas loin de Lyon, Monsieur Neil Young, et ensuite le lendemain à Lyon, dans le théâtre antique, Crosby, Stills & Nash, et je peux vous dire que voilà, ça a été un grand moment d'émotion déjà, de les voir en vrai, parce que c'était un petit peu bizarre, des gens que j'ai vus comme ça sur les vidéos et écoutés dans les disques toute ma vie et toute mon enfance, qui sont plus que des légendes. On a l'impression presque, vous savez, cette sensation quand vous aimez tellement un artiste qu'il arrive sur scène et qu'on a l'impression qu'il n'est pas vrai, que c'est un hologramme, tellement c'est pas possible de les avoir en face de soi, en fait. Et cette sensation-là, je l'ai très rarement ressentie en concert avec vraiment quelques artistes qui sont les plus importants pour moi. Crosby, Stills et Nash en font partie. Ce qui m'a marqué ce soir-là, on va en parler, c'est le son de guitare aussi de Stephen Stills. Au niveau de la voix, je vais pas vous mentir, il était plus vraiment là. Il chantait bien, mais il avait plus sa voix qui monte dans les aigus comme avant. C'était plutôt le boulot de Crosby et de Nash de faire ce boulot-là, des vocaux qui étaient vraiment extraordinaires. D'ailleurs, David Crosby avait fait une prestation ce soir-là magnifique. Mais Stephen Stills, à la guitare, il a vraiment assuré et il avait son son. Il avait vraiment son identité. Le son, c'est vraiment, comme on le dit très souvent, dans les doigts. Et là, j'en ai eu la preuve parce que même si c'est un grand amateur de guitare, Stephen Stills, il a parmi les plus belles guitares qui existent au monde. Il a une collection de malades, des amplis de malades, et il en profite sur scène. Il y avait des vieux tweets des années 50, une Fender des années 50, etc. C'est tout de suite sa patte dans son coup de médiator, son vibrato que j'ai reconnu, et aussi un petit trick qu'il fait très souvent à la guitare électrique. Mais rester vraiment, c'est lui qui m'a donné, même presque avant Clapton, envie de baisser la tonalité pour aller chercher ce woman tone un peu spécial. Il le fait pas vraiment comme un woman tone, il se cale sur la strate entre le micro grave et le micro du centre, et il va baisser la tonalité d'un des deux micros pour obtenir ce son, voilà, entre guillemets, woman tone. En tout cas, ce soir-là, il l'a fait vraiment magnifiquement bien, et ça m'a vraiment mis une baffe de le voir faire en vrai, surtout, parce que c'est des choses que j'avais essayé à la maison, et qui sortaient à ma manière, mais je l'avais jamais... C'est pas pareil quand même sur les disques. En vrai, quand on voit le musicien jouer, il y a un truc qui se passe quand même, il y a un lien direct, je trouve, avec ce qui se passe sur scène. J'ai été complètement happé par ce genre de truc, et pas que, parce qu'il a fait plein de choses magnifiques à la guitare. Je vous parle juste de ça, mais il a plein d'autres petits trucs bien à lui, si vous écoutez bien sa guitare, Stephen Stills, qui m'ont influencé, je m'en rends compte presque aujourd'hui, 15-20 ans après. Alors, on va revenir à Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby, Stills, Nash, le premier album, 1969, avec ce fameux concert à Woodstock mythique. Ensuite, 1970, le deuxième album du groupe, déjà vu, Crosby, Stills, Nash & Young. Le groupe change de nom parce qu'il y a Neil Young qui rejoint la bande. Dans l'année 1970, Stephen Stills sort son premier album, Stephen Stills, tout simplement. Magnifique album avec des tubes aussi dedans qui sont restés inscrits voilà, au patrimoine américain de la musique. On les entend encore très 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 régulièrement à la radio, là-bas en tout cas. C'est un disque que vous pouvez trouver très facilement aussi parce qu'il a été pas mal réédité, donc il est chez pas mal de disquaires. En tout cas, je le vois régulièrement quand je cherche mes petits vinyles. Il y a eu le volume 2 de ce disque juste après, qui est superbe aussi, un petit peu moins connu, mais un disque vraiment très très bien et très très intéressant. Et ensuite, l'année 1972, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure, Manassas, un groupe fantastique, un disque fantastique, ce premier album de Manassas. Ça, ça m'a vraiment bercé. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, j'avais un petit peu, ces dernières années, lâché Stephen Stills et notamment Manassas, mais je l'ai énormément écouté. Et récemment, j'ai retrouvé ce vinyle, voilà, sur une brocante, en original, je l'ai posé sur la platine à la maison. Et paf, la magie a réopéré. J'ai fermé les yeux et je crois que j'ai écouté, sans blaguer, j'ai écouté le disque au moins 25 fois d'affilée. J'ai écouté ça le samedi, le dimanche, le lundi, j'ai saoulé tout le monde à la maison avec ça, mais c'est absolument fantastique. Il faut écouter ça, les amis, si vous ne connaissez pas. Il y a des riffs mortels, il y a une production
qui est vraiment une école de production, en tout cas à cette époque, pour ce genre de musique, c'est à tomber par terre. La puissance est maîtrisée, il y a des riffs qui sont costauds mais jamais en avant. Justement, on s'en rend bien compte avec ce genre de disque, le riff n'est pas la compo, même si le riff de guitare est important, qu'on est tous des guitaristes à vouloir faire notre riff et notre solo, il y a d'autres choses qui passent avant, notamment la mélodie, etc. Il y a beaucoup de percussions, ça c'est génial dans ce disque, il y a deux percussionnistes qui sont fantastiques et qui vraiment viennent colorer l'album d'une manière assez unique. Et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs pas mal les influences musique latine. Je vous en parlais tout à l'heure de Stephen Stills, qu'il avait découvert petit avec ses parents en voyageant en Amérique du Sud, je vous en parlais. On retrouve beaucoup ses influences dans cet album. Il y a aussi carrément de la country. Il y a une face qui est country, même bluegrass, complètement acoustique, qui est fantastique. Il y a un violon, un fiddle, hein, comme on dit. C'est vraiment, vraiment génial. Un album, quand on l'ouvre d'ailleurs, qui donne tout de suite le ton. Une musique qui est en photo ici, je trouve que ça représente exactement ce que vous retrouvez dans l'album, cette photo. Une bande de musiciens qui jouent ensemble, qui s'amusent, et qui a fait de la musique vraiment fantastique. Peu après, il y a eu d'autres albums. 1975, il y a eu un album live, Stephen Stills, que je vous conseille, qui est génial, que j'écoute aussi depuis gamin avec un gros son, notamment le titre, Crosby, Stills & Nash, Wooden Ship, ça pète le feu, c'est vraiment un truc à écouter, c'est très puissant, les sons de guitare sont géniaux. Sur la pochette, il a un maillot de football américain et une Firebird, une Gibson Firebird 1, qui, voilà, la pochette, je trouve pareil, on sait à quoi s'attendre, c'est très électrique. C'est la période plus électrique, ça, de Stephen Stills, même s'il y a encore beaucoup d'acoustique dans sa musique, c'est toujours présent. Il a vraiment donné le ton, il s'est adapté aussi à cette époque, c'était une époque très très rock, on est en plein dans les années 70, et un petit peu après, un disque magnifique, je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, c'est un disque qui est fait avec Neil Young, les retrouvailles un petit peu, 1976, Long May You Run. C'est un disque magnifique déjà par la pochette, je suis tombé dessus, je ne connaissais pas ça, je suis passé vraiment à côté. Ça s'appelle The Stills Young Band, tout simplement. Et c'est vraiment génial, voilà. Ça, on dirait presque une pochette de Neil Young, il y en a eu quelques-unes comme ça, avec des écritures un peu brouillon dessus, j'adore. Ça, c'est aussi à écouter, il y a toute une ambiance, on sent les deux maîtres au niveau de l'identité, c'est-à-dire, voilà, Neil Young et sa patte inimitable, et Stephen Stills aussi, comme je vous le disais, même si moins légendaire, qui a une patte tout aussi inimitable, et qui est pour moi, qui reste une source d'inspiration vraiment inépuisable. Je vais pas vous passer en revue tous les albums qu'il a fait, il y en a beaucoup trop, mais c'est quelqu'un qui a eu une carrière énorme, qui a reformé des groupes aussi, notamment Crosby, Stills & Nash, dans les années 90, il y a des images formidables, et puis après dans les années 2000, je vous disais, je les ai vus donc sur scène. Un autre album que je retiens, en 2017, il a sorti un album avec Madame Judy Collins, qui est aussi une grande chanteuse de country, et qui est également une de ses premières histoires d'amour. Il lui a écrit la chanson Judy Blue Eyes, Sweet Judy Blue Eyes. Vous connaissez ce morceau si vous avez écouté le premier album de Crosby, Stills & Nash, puisque c'est le morceau qui ouvre l'album. Morceau fantastique d'ailleurs. Ils se sont retrouvés tous les deux pour faire cet album de cover, entre guillemets, puisque c'est leur morceau principalement. Il y a un super son, même si on n'est plus dans les années 70, on change d'ambiance. Il y a vraiment un très très joli son, il est hyper agréable à écouter cet album, et c'est très touchant de les entendre tous les deux. Leurs deux voix vont vraiment super bien ensemble. On sent qu'il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de sincérité dans l'album, donc je vous invite à l'écouter. Il n'est pas très connu, mais il vaut vraiment le détour. Voilà les amis, j'étais très content de partager un petit peu ma passion pour ce magnifique artiste qu'est Stephen Stills. N'oublions pas aussi qu'il était multi-instrumentiste, Stephen Stills, il jouait de l'orgamon, du piano magnifiquement bien, c'est aussi ce qui faisait sa force en studio, on l'entend jouer plein de parties, même sur scène, hein, il prenait l'orgamon, donc voilà, ça c'est aussi très très cool quand même. Allez découvrir ou redécouvrir cet artiste, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est quelqu'un qui a une personnalité énorme, et encore une fois, qui influence beaucoup les musiciens, même à l'heure actuelle. On le ressent quand on écoute des trucs de country moderne, etc. C'est quelqu'un qui est toujours là, dans le paysage musical. Voilà les amis, à très bientôt dans Tone Factory. Ciao.